Allez, bim. GG. Ah, j'ai déglingué Bowser. Installer The Last of Us, hein.
Mode chant. Quoi ça? Ça va pas crash. Ubisoft Milan, Paris, Montpellier. Ils ont fait un jeu aussi bien que Nintendo. Tu joues à quoi, branleur? Bon, j'installe The Last of Us. Quel game Fortnite de ce temps-ci, sinon rien. Vrai branleur. Un vrai branleur.
Toujours pas acheté de PS5 ou quoi? Je les vois empilés dans tous les magasins tellement ça se vend bien. T'as 30 minutes pour installer The Last of Us. Incroyable. Doit être un bon portage encore, non? Qu'est-ce que t'en penses? Time left 29 minutes. Je me fais un jus de gingembre là.
19 minutes restantes. Incroyable, hein. Pourquoi il y a l'écran noir? De toute façon, dans toute l'histoire, un appareil quelconque a réussi à causer des ennuis de monde, j'aimerais savoir lequel. Ma récompense. Minares pour Mario. The Last of Us. Combien de temps restant? Minutes. Oh.
11 minutes, time left. On a juste le son. Ouais, c'est ce que je me suis mis sur la scène de la page d'accueil en vrai. Et quand tu finis le jeu, il revient au start. Quand tu finis l'histoire. Je suis en train d'installer The Last of Us. Pour ça, j'attends, tu vois. Ça fait 20 minutes déjà qu'il s'installe. Minutes et 22 secondes. Alors si dans Google je mets Dead Space version gratuite disponible sur sur PC. Dead Space Demake. Vidéo Nintendo Switch et 17 sur 20 vient de sortir, pourtant il est 3 petits points, il est déjà moins cher, incroyable. Octopath Traveler 2 à 39,99€ chez Micromania. Le créateur du mythique jeu Flashback évoque sa suite Sherlock Holmes, Awakened, Rescapé. Qui? Il est déjà antipiaque, Sherlock Holmes, hein. Tout ce que j'ai dans le... En mot-clé, jeux vidéo. Pas terrible Google là. Hein. Il m'a sorti là hein, pour jeu vidéo. Plus d'actualité. Pourquoi tant de remakes de jeux vidéo sur BFM TV? Starfield, on en sait plus sur la grosse conférence. Le gaming et la création du jeu vidéo au Paris Fan Festival. C'est vraiment de la merde hein, les médias quand même. Ils arrivent à écrire sur du vent.
Ouais, ça m'étonne pas. C'est ça en vrai. C'est ce que je vais faire sur le site, je crois, suivant. Tous mes tests, là, je vais aller dans le chat GPT. Je vais lui dire, fais-moi le test en 5 catégories. Gameplay, graphisme, ton. Durée de vie, quoi. Synopsis. Copier, coller, publier, au revoir. Ah ça y est. Picking. Clap de fin pour ce jeu vidéo noté 18 sur 20, PlayStation perd un atout de taille. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Afin de se concentrer sur nos projets, Media Molecule vient d'annoncer la fin de cette exclusivité PlayStation. À Dreams, ce sera, c'est plus une exclu PlayStation. J'accepte. Taille de téléchargement 5,9 mégas. Posant facultatif. Ah. DirectX ne répond pas assez. En train de me télécharger des trucs de 2006, bordel. Ça a l'air d'être un portage exceptionnel, là. Il m'a chargé un composant de 2006, là. Les composants installés sont prêts à être utilisés. Ok, je cut et je reboot le live sur The Last of Us. A tout de suite. Épisode terminé.